mais sur un temps qui est important, c'est comment les territoires peuvent tirer parti de collaborations avec le monde de la recherche, hein, et en particulier sur la question de l'économie verte. Alors je vais me tourner très très spontanément vers Patrice Soudan. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le président d'un pôle de recherche, d'un pôle de compétitivité dont la mission est justement de gérer des interfaces entre recherche et développement économique. Monsieur Soudan est président du pôle Elopsis, qui est basé à Limoges, sur le site d'Ester Technopole, qui est spécialisé dans le domaine des réseaux, justement, on parlait tout à l'heure des NTIC, et des transmissions sur diverses technologies, notamment les technologies sans fil. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur toutes ces perfusions qu'on appelle de nos voeux entre recherche et territoire? Je vais vous répondre d'abord en mettant ma casquette pôle de compétitivité, puis après je vous donnerai un exemple avec ma casquette Legrand. Je pense que le point essentiel, c'est d'ailleurs un point qui a été repris tout à l'heure, c'est que les synergies d'intérêt entre les différents acteurs privés, publics, économiques, collectivités et territoriales, que les synergies existent et fonctionnent bien. S'il y a un déséquilibre, automatiquement, ça ne va pas bien fonctionner. Soit il y a un tissu industriel faible, soit il n'y a pas de recherche et de développement dans la région, soit il y a un problème d'innovation. Donc il faut que les différents morceaux contribuent au dynamisme de la région. Alors, le pôle de compétitivité Elopsis, il est adossé à un laboratoire de recherche très important qui s'appelle XLIM, qui est basé à Limoges, à Poitiers et à Brive, qui compte à peu près 480 chercheurs. Et depuis la création du pôle, donc 2006, on a vu passer environ 350 projets. Sur ces 350 projets, 140 ont été financés, donc c'est quand même assez significatif. Mais la difficulté est que le tissu industriel de la région Limousin est relativement faible. Et donc, en conséquence, un certain nombre de projets, au lieu de contribuer à la vie économique locale, ont dû s'expatrier, si je peux m'exprimer ainsi, en allant dans d'autres régions ou dans des métropoles où ils ont pu trouver des acteurs industriels en mesure de porter des projets avec le laboratoire XLIM. Alors, il y a eu la création d'une trentaine de start-up dans le même intervalle, donc ce qui est pas mal, des sociétés plutôt jeunes, mais avec des effectifs relativement réduits, même s'il y a eu des créations d'emplois. Donc, j'insiste sur le fait, pour que ça fonctionne, il faut que la recherche, l'industrie et tout l'environnement social, économique et local puissent contribuer au fait qu'un projet va devenir générateur d'emplois et générateur de richesses. Alors maintenant, si je quitte ma casquette pôle pour prendre la casquette Legrand, je vous donne un exemple, parce qu'il faut plutôt mettre en avant les choses positives, un exemple porteur, qui est le sujet de la silver economy, dans lequel il y a effectivement une bonne synergie d'intérêt entre un industriel, à savoir Legrand, et toute la collectivité sociale et sociétale. Le Limousin, un tiers des Limousins a plus de 60 ans. Et très clairement, ce que tout le monde a compris maintenant dans cet environnement, c'est que ce déséquilibre démographique peut devenir un avantage compétitif. Et donc, en conséquence, il y a un écosystème qui s'est créé, qui a permis de mettre en place un certain nombre d'initiatives en Creuse, en Corrèze, pour l'assistance et le maintien à domicile de personnes âgées ou de personnes dépendantes. Et là, on rejoint les sujets d'innovation tout à l'heure. Donc, la ruralité peut effectivement contribuer à l'innovation, mais il faut que les différents morceaux du puzzle puissent contribuer à cette innovation pour que derrière, ça se transforme en économie et en richesse. Bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Après la vue de l'entreprise, la vue complémentaire, c'est celle de la recherche. Avec Guillaume, est-ce que vous pourriez compléter? J'irais dans le sens, pour un institut de recherche comme l'INRA, qui est un institut national, il y a la nécessité d'avoir une structure nationale pour définir un certain nombre de priorités. On est un institut de recherche finalisé, donc on est avec une volonté d'impact et de solution, et on est implanté dans les différentes régions, enfin dans de très nombreuses régions, et on travaille beaucoup avec différents pôles de compétitivité, par exemple, mais pas que, mais concernant le domaine agricole et agroalimentaire.
Et donc la question par rapport, enfin le point par rapport à qu'est-ce que le monde de la recherche et l'ensemble des acteurs peut faire par rapport au développement des territoires, ce que nous on doit faire en tant que recherche, nous recherche publique, c'est justement essayer de valoriser en fait ce que moi j'appelle les ressources spécifiques des territoires, de telle façon que la valeur ajoutée créée par les activités soit gardée dans les dites régions. Quoi. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de gisements qui apparaissent, et je vais en donner deux. Le premier, c'est de dire que, par exemple, dans la question, dans les territoires, de ce qui est les déchets, ou les sous-produits, appelez ça comme vous voulez, le problème n'est pas là, mais qu'ils soient d'origine ménager, industrielle, agricole, forestier, etc., c'est d'avoir, en fait, dans ce concept d'économie verte ou d'économie circulaire, la prise en compte simultanée de l'ensemble des ressources de la biomasse pour construire, pour faire de la chaleur, de la méthanisation. Que ce que vous voulez, le problème n'est pas là, mais c'est de raisonner à une échelle qui soit supérieure à un seul secteur, mettons, pour ce qui me concerne, le secteur agricole, de telle façon que vous essayez de retrouver un peu d'économie d'échelle en développant, en fait, les ressources, les possibilités d'accès à une biomasse. Le deuxième, c'est un petit peu la question que il ne faut pas non plus avoir peur, je vais toujours prendre des exemples agricoles, d'aller dans aussi des technologies qui soient de pointe, y compris en profitant entre filières. Et tout à l'heure, on a parlé un peu des services à la personne, en particulier des services pour les personnes âgées, etc., etc. Prenez un secteur totalement différent qui est le secteur de l'agriculture de précision. Je vais être encore pire, des porcheries de précision. Enfin, pire, plus précis, des porcheries de précision. En termes de technologie, c'est les mêmes. En termes d'information, de statistiques, etc., de traitement de données, etc., c'est les mêmes dispositifs, les mêmes logiciels, etc. Évidemment qu'il faut adapter. Et donc le défi, en fait, est de pouvoir trouver... c'est d'avoir des dispositifs, de s'assurer qu'il y a un marché suffisant et que ce marché il obéit aussi bien à des problèmes par rapport à l'aide aux personnes âgées, par rapport à la petite enfance ou par rapport à un secteur très différent comme l'agriculture. Et c'est pas si simple parce qu'on fonctionne de façon encore un peu trop cloisonnée par filière. Merci. Pour poursuivre, Jean-Pierre Robert, un exemple de filière dans une région qui est où le lien entre recherche et développement est particulièrement stratégique. Pour éclairer, je vais prendre la filière équine en Normandie. Là, du coup, c'est des territoires ruraux qui ont cette activité. Et la Normandie fait un très très gros investissement. Essaye de développer cet écosystème autour du cheval. Il y a les Jeux mondiaux en ce moment qui font une image autour de l'idée de justement maîtriser l'ensemble des aspects, y compris un développement, c'est le seul pôle de compétitivité sur la filière équine qui est là, et un lien est très étroit entre les éleveurs, entre toutes les composantes et la recherche. Et ça me permet d'illustrer le fait qui était apporté par mes deux prédécesseurs, c'est on peut peut-être combattre les effets d'agglomération par l'intensité des relations qui se situent à tous ces niveaux entre les composantes. Et l'intensité, c'est un contenu qui passe effectivement par la possibilité d'avoir des connaissances transversales. Ce n'est pas forcément une invention dans chaque filière ou dans chaque secteur, mais c'est la possibilité de transférer des connaissances acquises dans d'autres secteurs vers ces secteurs-là. Je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que là, c'est une hypothèse, bien sûr, que les territoires ruraux ont une place, peuvent, par cette intensité de relations, par cet entretien, et ça, les territoires peuvent avoir une responsabilité là-dessus, une intensité pour pouvoir combattre et peut-être même trouver des voies alternatives à l'agglomération qui est un avantage, peut-être, sur certains propos, mais aussi crée des obstacles. On sait très bien que dans un certain nombre de grandes agglomérations métropoles, il y a des difficultés de communication. Les cloisonnements existent aussi. Donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres voies alternatives pour avoir l'intensité et la synergie nécessaires? Je crois que oui, mais c'est un pari. Et c'est le pari de l'avenir des territoires ruraux, je pense. Merci. Pour terminer sur cette dernière question, Asko Peltola, l'économie verte en Finlande, quelles bonnes pratiques? Quels éléments pour valoriser nos atouts des espaces ruraux? Yeah.
Yeah, I really want to stress the importance of research and development in improving the vitality of rural areas. Le rôle de la recherche est absolument fondamental pour donner vitalité aux zones rurales. As everyone knows, we are on a way towards greener economy, so-called bioeconomy. Comme tout le monde sait, on va vers maintenant une économie plus verte. And we also know that the resources of bioeconomy, they exist, they are located in rural areas, but research and development is mostly located in cities or urban areas. Les ressources vertes, clairement, se trouvent normalement dans les zones rurales, mais la recherche et le développement se trouvent dans les zones métropolitaines. In my home region, we don't have a scientific university, but about 15 years ago, we decided that we want to have professors and new scientific knowledge in our area. Il n'y a pas une université technique scientifique dans la région de Sud-Ostrobotnie, mais il y a 15 ans, ils ont décidé qu'ils voulaient créer une équipe de recherche et d'universitaires pour aider le développement de la région. So we created a network of professors. At the moment, we have 15 different professors working in different fields that are especially connected to our economic activities. Alors, ils ont créé un réseau de 15 universités de chercheurs qui sont à la service du développement territorial. And this is a so-called model triple helix. Alors, un modèle de hélice triple. And it means that we have three different participants. Universities that invest some money to get the professors to work in our region. Alors, il y a de l'investissement de la part des universités qui est au service des régions, des chercheurs, des universitaires pour faire de la recherche. And secondly, part of the money comes from public sources, so it means from our communities, municipalities, and also from public European Union funding. Une partie du financement vient de l'Union européenne ou des collectivités locales. And the third part in Triple Helix are the companies. We have many companies that have invested in professors, so they are giving some sort of money, 10,000, 20,000 euros per year to help the professors to work in our area. And of course, they get also knowledge and services from the professors. En troisième, il y a les entrepreneurs, les mêmes. Et investissent, par exemple, pour de la recherche, 10 000, 20 000 euros. Et comme ça, il y a le triple hélice qui est d'unir les services publics, les universités, services universités et les besoins des entreprises. Et là, il y a cette équipe de 15 à 20 universitaires et chercheurs qui sont au service des entrepreneurs de la région pour répondre à leurs besoins. So it is vitally important to have research and development and research and developers in rural areas. C'est absolument fondamental d'avoir les services des chercheurs et des universités au service des zones rurales. Je veux ajouter quelque chose que M. Bertrand a dit avant, que là, l'initiative est née dans la région même. Ce n'était pas une initiative du gouvernement central, ni des universités, c'était vraiment les collectivités mêmes qui sont allées vers les universités à demander les services des chercheurs. Et après, ils ont dit, alors, pour ça, vraiment, ce recherche est au service du territoire. Merci. Alors, le temps est venu du débat avec la salle. Hein, donc, nous allons poser...